Ce résumé vous est proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Pour moi, elle est inquiétée, cette défense centrale. Quoi qu'on en dise, il y a la science du placement d'un garçon. Oh, Ederson qui passe à côté. Oh, c'est une grosse occasion maintenant. Il faut remettre. Oh, ça passe à côté. Immense occasion sur une grosse erreur d'Ederson Moraes qui n'est pas sanctionné là-dessus, mais qui aurait très bien pu l'être. Et là, il me semble que Tété doit quand même remettre vers l'arrière. Là, c'est une erreur, hein, parce que des occasions comme ça, il n'y en aura pas 50 sur la rencontre. Déjà, c'est un cadeau immense qui a été fait. Magnifique retour de Fernandinho aussi à signaler au passage quand même. On va devoir profiter de la taille de Rodri. C'est joué court finalement avec Gundogan. Angelinho, le centre, il est bien ce centre avec Piatov qui sauve finalement ce ballon. Bon centre de la part d'Angelinho. Et il n'y avait pas de position de hors-jeu, il me semble. Non, en tout cas pas d'Otamendi. Donc, une situation tout à fait valable. De Bruyne à la récupération, c'est lui qui a le plus envie, De Bruyne, dans ce match. Il a mal. De Bruyne, magnifique de De Bruyne avec Gabriel Jesus qui emmène et Gundogan, il va marquer, c'est dedans, 1-0 Manchester City, Gundogan avec un mouvement initié bien sûr par Kevin De Bruyne. Il faut un petit peu de réussite là-bas dans le chef de Gabriel Jesus, mais ce but tombe finalement et ça n'est vraiment pas une surprise de voir KDB encore impliqué là-bas pour aller trouver cette passe qui fait toute la différence dans un premier temps. Kovalenko, bien fait Kovalenko qui ouvre maintenant avec Solomon qui va aller ouvrir. Tété pour Dodo, le centre de Dodo, c'est bon, c'est très bon, c'est un partout et c'est mérité. Superbe phase collective, c'est probablement la plus belle phase de cette rencontre et une magnifique contre-attaque orchestrée par l'ensemble de cette équipe du Shakhtar, même si c'est le nouveau venu, c'est Solomon qui vient marquer ce but, le 1 partout. Angelinho. Et Gabriel Jesus avec Piatov qui est battu, Piatov. Derrière, oh, ça va rentrer, non, c'est sauvé sur la ligne avec David Silva qui était venu s'infiltrer là-bas. Bon jusqu'au boutisme de la part de Gabriel Jesus qui a la lucidité de donner derrière à David Silva. Et là, il s'en faut de peu entre Krivtsov et Piatov.
La voilà, cette dernière pour City avec Bernardo Silva. Bernardo Silva, est-ce qu'il a encore le coup de rein pour passer son défenseur? Non, pas spécialement. Un petit tour et puis recommence, centré cette fois-ci. Au second poteau, c'est trop long pour Sterling, mais c'est peut-être bon pour Cancelo. Quoique, la fin du match est sifflée. Un but partout, mais l'essentiel est là pour Pep Guardiola et Manchester City. 11 points, c'est toujours 5 de plus que le Shakhtar Donetsk, qui est le principal poursuivant, et donc ça veut dire que la première place est assurée pour les hommes de Pep Guardiola. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.